Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 29 décembre 2021. Dernière journée aujourd'hui pour passer les stocks à perte que vous voudriez passer à perte. Parce que c'est la dernière journée parce que ça prend ce temps-là avant que ça passe, pour que ça passe avant la fin de l'année. J'ai SYTA qu'on avait ce matin, que j'avais trouvé à l'ouverture, qui n'avait rien fait, qui a fait un gros décollage, quand même une pièce, presque une pièce sur trois pièces, 30% en trois minutes. Puis là, il se présente encore en train de refaire un autre mouvement. On va aller sur les nouvelles en premier. On avait quelques nouvelles, pas grand-chose, ce matin. Les marchés sont tous en baisse en passant. Hop, on vient de rebondir un petit peu, là, mais c'est juste un faible rebond. En fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur les marchés. Là, on est en fin de cycle haussier partout. À peu près sur tous les secteurs. Il y avait le pétrole qui a décollé sur les inventaires, puis ça s'est tout dégonflé, regardez ça, tiens. On est revenu à la case départ, puis même qu'on s'apprête à faire un nouveau bas, là, avec l'histoire de l'inventaire de pétrole. Là. C'est de la foutaise, cette affaire-là. Les mines aussi rechutent. Il y a le dollar américain qui n'a pas rebondi, mais l'or et l'argent, eux autres, ont rebondi, mais c'est pas mal fini. J'ai bien l'impression que ça va revenir encore à la baisse. Bon, ça change pas les bourses, là, mais il y a la moitié des États américains qui vont augmenter le salaire minimum. Puis ils disent que les compagnies ont même pris de l'avance, ils n'ont pas le choix parce qu'ils cherchent du monde. Fait qu'il y a une compétition dans le moment sur les salaires pour trouver des gens pour faire le travail. Puis vous avez vu la conférence de François Legault hier où c'était quand même assez surprenant, où il disait que
les cas d'Omicron étaient vraiment élevés, puis ils sont débordés parce qu'ils n'ont pas de personnel. Il y a de plus en plus de monde qui se ramasse à l'hôpital, mais de moins en moins de monde pour les soigner. Ça fait qu'il a même demandé hier, ils ont même recommandé aux gens hier de dire, bien, écoute, même si vous avez la COVID, mais si vous êtes quand même capable de travailler, on vous demande de rester sur la job. Il faut le faire quand même pour être rendu là. Hein? Puis aux États-Unis, ils ont fait pareil. Aux États-Unis, ils ont réduit la période de quarantaine de 10 jours à 5 jours en disant bien, ça va aider à ramener le monde au travail. C'est ça. Ça va ramener le monde au travail, mais même s'ils ne sont pas en état de travailler. Bon, il a fallu que j'arrange mes graphiques un petit peu. Voilà. Non, c'est le contraire. J'ai mal fait mon affaire. Mais oui, j'arrangerai ça après. Donc, c'est ça. L'affaire du docteur Fauci. Mais écoute, les États-Unis sont poignés avec une grosse augmentation de cas de COVID aussi. Là. Mais puis là, ils ont l'air fous un peu parce que Biden, puis. Puis le CDC, il y avait tout le monde encouragé de dire « Bof, on est pas mal fini cette affaire-là, là. Allez vous amuser dans vos familles. » Et puis la contagion, c'est vrai que le COVID, le Omicron, il est moins sévère, mais quand même, il est trois fois plus contagieux. Puis et contagieux, c'est pas le mot, là. C'est contagieux à l'extrême, là. S'il y avait une personne qui avait le COVID dans un party, tout le monde l'attrapait, là, c'est pas compliqué. Puis avec tout ce qui s'est passé dans le temps des fêtes, les réunions aux États-Unis, pour l'instant, là, ils sont pas mal silencieux sur le nombre de cas, parce qu'ils ont l'air assez fous d'avoir essayé de faire redécoller ça trop vite. Bon, on va mettre ça en minute ici, les marchés, pour voir où est-ce qu'on est rendu. Bon, le Dow, il était revenu presque à zéro une fois, il a rebondi, il s'en retourne là encore. Donc, on va passer négatif sur le Dow, on est pas mal négatif aussi partout. Ils disent, selon une étude sud-africaine, la réponse immunitaire des personnes infectées par l'Omicron semble multiplier par 4 la protection contre le Delta. Donc, autrement dit, l'Omicron sera un virus qui aide à combattre le Delta. C'est assez fort. C'est ça que les scientifiques ont découvert, que l'Omicron, il faisait la guerre au Delta. Mais ça fait rien, j'en veux pas, moi, ni un ni l'autre. Bon, CanFIT, la demande de brevet, là, c'est sur la même affaire qu'on avait vu un petit peu avant, lorsque le titre avait fait ça ici, là. C'est qu'il y avait un de leurs patients qui avait plusieurs lésions cancéreuses, puis après avoir fait leur traitement, ça avait guéri toutes les lésions. Bon, fait que là, le titre a replanté après ça, puis là, aujourd'hui, on dit, bon, ben nous autres, on va demander un brevet là-dessus, là, parce que on a un médicament qui guérit le cancer. Mais la hausse est loin d'être celle qu'on avait vue avant. Et pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat avant que ça traverse les 1,5 piastres. Bon, puis le NRX, c'en est une autre. Où est-ce que les NRXP, le titre ne bouge pas tant que ça. Il dépose une demande de désignation de thérapie révolutionnaire pour un traitement qui s'appelle Ziezami chez les patients à risque immédiat de décès par la COVID. Donc, c'est presque un médicament ressuscitateur, mais ça n'a pas réussi à ressusciter le titre, qui a bougé un peu à la hausse ce matin, mais ça fait plus grand chose là. Ça a monté à l'ouverture, puis ça a redescendu après. C'est vraiment aux alentours de 5 piastres qu'on pourrait espérer faire quelque chose avec ça. Et puis, Candy, une division de American Virtual Cloud annonce une croissance record de l'adoption de solutions de communication dans la région du Moyen-Orient.
Puis je le cherche, puis comment ça se fait, je ne l'ai pas. Attends un peu. AVCT. Ah, c'était le premier, OK. C'était celui-là ici, ce matin. Mais il n'est pas si hot que ça. Il a fait un petit mouvement un matin à l'ouverture. Après ça, il s'est complètement corrigé. C'est pas mal, puis là c'est fini pour les nouvelles, c'est pas mal une journée de correction aujourd'hui, là on voit de l'essoufflement partout, de l'essoufflement sur les marchés, de l'essoufflement sur les secteurs, dans l'énergie aussi, à mon avis on a rejoint le top, puis regarde, vous voyez, regarde, l'USA a fait un nouveau ce matin, puis là maintenant il est en baisse, fait que ça avait bien assez monté, donc c'est fin du cycle du côté des titres d'énergie, puis si vous voyez des titres d'énergie en hausse aujourd'hui au Canada par rapport aux États-Unis, c'est parce que le Canada était fermé pendant deux jours, puis c'est venu se réajuster au mouvement des États-Unis. Donc, l'or, malgré son petit rebond de tantôt, ça demeure en correction, puis les titres aurifères, le mouvement, c'est pas sérieux, c'est pas... on peut pas penser à avoir un décollage des aurifères là, à très court terme. Du côté des mines, c'est pareil là qu'aux États-Unis. La cote qui est ici devrait être là parce qu'il y a un trou de deux jours là au Canada. Mais encore une fois, ça aussi, c'est une fin de cycle. L'argent aussi est en correction. La consommation discrétionnaire qui est en hausse, c'est pas un nouveau breakout. Là aussi, il faut rapporter la cote là. On est vraiment sur le top. On a beau chercher qui est-ce qui fait ça. C'est surtout Dollarama, mais là, il a perdu des plumes, fait que parce qu'il avait monté, là aussi, c'est plus un genre de réajustement aujourd'hui qu'il y a. Puis il n'y a pas de volume là-dessus. Restaurant Brand, regarde, il a décollé, puis il est en train de redescendre, ça devait être un résultat quelconque. Je vois pas de vraiment rien qui est nouveau, là. Consommation de base, une autre petite journée de hausse. Puis en fait, CATD, c'est Couche-Tard qui a fait ça. Mais on est en situation surachetée, là. Dans la grande majorité des cas partout sur le marché, les services financiers qui ont l'air à monter, c'est pas un breakout ça non plus, c'est une hausse supplémentaire qui vient s'ajuster à la hausse des services financiers hier. Là où le bas blesse aujourd'hui, là, c'était dans tous les autres secteurs spécialisés. Là. Les autos électriques, là, ça a planté ça ce matin. Regardez les autos électriques. Tesla, il a rebondi, mais il est en train de redescendre. Regardez, Eli, XPEV, Lucid, Ride, Solo. On est vraiment en correction dans les titres d'auto électriques. Puis on est rendu sur un support très important. Regardez, je vais faire le tour du secteur avec vous, là. OK? Donc, on voit la fin du cycle très nettement en situation surachetée ici. Tesla, on voit la même chose, c'est un plafonnement, fin de ce cycle-là. Là, on n'a pas de cycle baissier de commencer encore. Mais par contre, il y en a un paquet qui ne sont pas beaux, mais où ça va probablement provoquer un rebond. On est vraiment dans le bas du couloir, là, pour NEO. Puis on s'en va sur on est encore en tendance baissière malgré le rebond qu'on a eu il y a deux jours sur RIVN, qui est Rivian Automotive, là, qui est un gros compétiteur à Tesla. Regardez ça, là, les supports, comment on est accoté partout. Donc on a un risque de décrochage. Le secteur semble encore surévalué du côté des autos électriques. Donc, Lyon aussi, qui se ramasse sur son support. Frisker, qui a traversé son support ce matin. Lordstrom, qui est à côté bien raide sur son support. Nicolas, qui s'en va sur son support. Qui ont juste dit ici qu'ils rattraperaient avant la fin de l'année leur retard de livraison. Ça a été une nouvelle très éphémère. Ça rechute quand même. Hyzon, il se corrige aussi. Green Power Motor au Canada et aux États-Unis, ça chute. Écoute, il valait 20$ il n'y a même pas un mois, puis là, il en vaut 11. Il y a Ree, qui est peut-être celui qui a un peu plus de potentiel prochainement, mais pour l'instant, lui aussi, c'est la fin de son cycle. Fait qu'il n'y a rien de positif dans le secteur électrique, pas en tout, OK? À part des rebonds pendant la descente, là, comme on voit, là, Eli, puis tout ça. Donc, on a gagné une pièce et quart sur l'XPEV par rapport au bas de ce matin.
pardon, les chasseurs d'aubaine sont à l'œuvre. Regardez, NIO, il a fini son rebond. Là, on va retourner sur le bas de la journée. Fait que c'est pas le temps là, d'essayer d'acheter le rebond des autos électriques. Ensuite, les véhicules, les composants. Bon, Plug est en chute ce matin. Il a remonté, mais il est en train de redescendre. 27,5, 28,5. C'est 3%, 3,5%. Et puis là, ben, ça va redescendre encore. BLDP aussi. Donc, il y a eu vers 10h30 environ, il y a eu un rebond de la plupart des secteurs qui étaient en chute. Mais là, ben, ils sont en train de retourner vers le bas encore. Les airlines, avec toutes les cancellations, ça aussi, c'était un secteur qui était complètement essoufflé. Vous voyez, les airlines, là, regarde, on est sur le top, puis c'est un sommet qui est encore négatif par rapport aux autres sommets avant. Fait que tu as Air Canada qui monte exactement la même affaire. Chorus aussi, regarde, qui reprend à la baisse. Jet qui est sur son support. Donc, American Airlines, toutes les airlines, là, quand il n'y a pas de go, tant qu'on ne traversera pas cette double résistance-là. Puis on est suracheté là, fait que pour l'instant, on est en direction du support. American Airlines, JetBlue, Boeing, Delta, Southwest, montrent tous des graphiques à peu près identiques. Je vais juste fermer une coupe de mes tableaux, parce que j'en ai pas mal d'ouverts. Bon, dans les recreational, même chose. Ça va monter un peu plus les airlines, mais le cycle est fini. Ça fait plusieurs jours. On n'a pas d'indication encore si on va. Premièrement, on est sur un sommet de couloir. Ça fait qu'on a beaucoup plus de chances d'aller en correction que de faire un nouveau décollage. Puis c'est le même scénario quand on regarde Carnival, Norwegian, qui lui est en correction, Royal Caribbean est en correction aussi, AMC continue encore son cycle baissier dans une tendance baissière. Fait que il n'y a rien qui fait rien. Le cannabis, c'est en chute encore, mais ça s'est réajusté à la chute du cannabis hier. C'est hier que ça s'est passé du côté des États-Unis. Je vais loader le secteur ici. On va mettre ça en 2-3 minutes parce qu'on veut voir le mouvement d'hier. Donc, on voit là, du côté américain, Tilray, que j'ai ici en bas, là. Tilray, c'est hier qui a chuté, puis il rechute encore aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment beau du côté du cannabis. ACB aussi rechute encore à cette heure-ci. Weed va retourner encore sur son fameux bas de 11,20 $. Fait que, regarde, le cannabis n'intéresse personne d'autre que les day traders qui font rebondir lorsqu'ils font une chute, mais ça va vraiment pas bien dans le cannabis, encore une fois. Reste-tu des nouvelles ou non? J'ai tout fait, hein, je pense. Et puis, des secteurs aussi, j'en ai pas bien. Fait que les secteurs qui montaient, comme l'énergie, les services financiers, c'est tout fini, ça, là. Ça montre plus à très, très, très court terme. Et puis, puis les secteurs spécialisés, eux autres, ben, ils vont pas bien pantoute. Dans la prochaine heure, Plug, ça va retomber, BLDP aussi, donc ils vont revenir. C'était juste un rebond temporaire dans des cycles baissiers. On voit bien que dans les composantes électriques, regarde, les batteries, ça a beau être à la mode, là, puis qu'on va avoir des grands besoins en termes de batteries, mais pour l'instant, c'est complètement plafonné. Regarde, le ChargePoint teste son support. Outster vient de faire un nouveau bas pour l'année. Romeo, il s'en va sur son bas de l'année. Blink est sur son bas de l'année. Plug Power, il est retourné sur son support. Ballard, il était même en décrochage avec un nouveau bas ce matin avant son petit rebond qu'on a eu là, qui ne tient pas la route de toute façon. Puis regarde, sont tous en baisse les stocks là, de batteries, de composantes électriques. Ça fait qu'on est dans un marché en fin de course qui a trop monté pour des raisons... parce que tout le monde pensait que l'Omicron, finalement, c'était pas si grave que ça, mais là, ça a fini de monter.
Fait qu'on a plein de secteurs, des secteurs spécialisés sont en déroute, sont en baisse. Il n'y a pas signe de revirement à la hausse là-dedans. Puis c'est fini pour les pétrolières, c'est fini pour les services financiers, c'est fini pour les industriels, c'est fini pour la plupart des secteurs. J'ai manqué le point d'entrée pour ISIG, qui est un de nos titres, qui est ici. Mais là, pour l'instant, je n'avais pas manqué grand-chose, là, parce qu'il fallait juste planter. Peux-tu me donner le deuxième meilleur point d'entrée? Ben, il n'est pas bien beau, ISIG, un peu, là. On va regarder ici. Il est là. Donc, il a ouvert en hausse, puis il a rechuté par après. C'est difficile d'imaginer son point d'entrée, parce que regarde, là, il vaut 22$, puis sa résistance est à 30$. Fait que, en swing trading, je sais pas, il me semble que l'histoire est pas mal finie. Puis en day trading, bon, éventuellement, dans le moment, il n'y aura pas de point d'entrée avant 24,5$, parce qu'on est dans une tendance baissière. Puis à la rigueur, il y aurait quand même un 2$ à faire là, mais tu sais, il n'est pas facile. Il n'y a plus de volume dessus, il est complètement mort. Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion vraiment sur ça, Carole. À mon avis, il a fini ce qu'il avait à faire. J'ai acheté ce matin CFP à Toronto, 29,75 pour un swing. Pas sûr que c'était la meilleure idée, ça. CFP qui paraissait bien beau, là. Mais regarde, il est juste venu rejoindre ce que tous les autres stocks ont fait, parce que lui, il a moins monté que les autres. Et regardez, RFP, lui, ça, c'est pas un nouveau breakout, là, c'est juste une journée de plus de hausse, parce que ça a monté du côté américain, et puis c'est venu rejoindre la hausse du marché américain. Fait, regardez, on était sur un top, là. Ça fait que, donc, dans le cas de... Puis IFP, c'est pareil, là, c'est juste une autre cote qui est là, qui arrive en plein sur son top, là aussi. Ça fait que c'était pas le meilleur cas, ça. Pour un swing à moyen terme, OK. Mais il y aurait eu des places plus intéressantes au début du cycle ou whatever. Là, vous venez d'acheter ça pas mal sur la fin d'un cycle. La question, c'est quoi? Vous ne recommandiez pas de l'acheter ce matin. Je ne le recommande toujours pas. Pourtant, la plupart des titres du secteur sont en hausse. Oui, mais regarde, allez, c'est juste un réajustement par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Là. Fait que c'est pas une vraie hausse. Là. Moi, je ne vois pas ça comme un rattrapage. Bien, regarde, on voit ça comme qu'on veut, hein, mais moi, ça ne change pas mon affaire. Vous ne pourrez pas me faire dire ce que vous voudriez que je dise. Pour moi, je ne vois pas ça comme un point d'entrée. Je vois ça comme le haut d'un cycle, mais regarde, c'est à vous les oreilles, hein, fait que vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est des analyses, c'est des opinions. J'ai pas toujours raison, bien que j'ai raison la majorité du temps. Puis des fois, ça va arriver que j'aurai pas raison, mais pour l'instant, il faudra prouver que j'avais pas raison. Et c'est pas parce que ça a monté une pinote de plus, regarde. C'est un réajustement, puis il ne monte plus depuis ce temps-là. J'ai fait une prévision pour je fais une prévision pour 2022 sur EXO. Il se rendra en bas de 30 cents. Ben, on va vous faire une autre prévision. Ils vont probablement se faire acheter pour comme, ben, comme plusieurs autres se sont fait faire. HEXO. Pour l'instant, tout le cannabis plante. Puis lui, il faut attendre un peu, ça c'est un peu, je vais faire au Canada. THEXO. Bon. Lui aussi fait un réajustement aujourd'hui par rapport, parce que c'est hier que les titres de cannabis tombaient aux États-Unis. À 30 cents, ben oui, c'est comme n'importe quelle prévision. Sont plus bas là. Bon, on va commencer par 60 cents, hein? Parce que là, pour l'instant, il est à 92, puis il y a vraiment un gros support à 60 cents, là. Fait que moi, je trouve que la première prévision devrait être basée sur le 60 cents plutôt que sur 30 cents. Ce sera dans une deuxième étape. Voyons.
un petit instant. Bon. Dans le scanner, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre plus actif volume et plus actif nombre de transactions? Bien, ça le dit, là, c'est bien simple. Plus actif en volume, est-ce que c'est un volume en dollars? Bien non, c'est le volume en nombre d'actions. C'est le volume en nombre d'actions, OK, échangées. Donc, tandis que le volume en nombre de transactions, c'est le nombre de trades qu'il y a eu. C'est bien simple, là. Ça n'a pas rapport avec les dollars. OK? Le volume, c'est le volume. Donc, quand tu achètes 1000 actions, bien, dans le volume, ça ajoute 1000 parce qu'il y a eu 1000 actions de transiger. Donc, le volume, tout court, c'est le volume, c'est le nombre d'actions qui s'est transigé. Tandis que le volume en nombre de transactions, c'est le nombre de fois qui s'est tradé. Donc, quand il y a quelqu'un qui achète 10 000 actions, bien, dans le volume, ça fait 10 000 de plus dans le résultat, mais c'est une transaction dans le volume par transaction. J'espère que vous me suivez. Explique-nous, je sais que ça revient souvent au même titre, mais dans un ordre différent. Je préfère cependant plus actif en nombre de transactions. C'est parce que plus actif en nombre de transactions, ça fait que le titre qui va décoller le matin, puis il va faire deux transactions de 500 000, mettons, à l'ouverture, puis après ça, il fait tous des trades de 10 000 puis 15 000, bien, en nombre de transactions, ça va paraître juste comme deux transactions. Tandis que, moi, j'aime bien le regarder en volume, mais au final, ça revient pas mal au même. Je n'ai pas entendu votre analyse de ENG. Ce serait quoi la prochaine résistance? Bien, c'est toujours la même affaire. Là, c'est plate parce que ce matin, il y avait l'occasion de prendre un profit, mais ça s'est tout fait en hors-séance avant l'ouverture. On est quand même revenu proche parce que, regarde, moi, ça fait deux semaines au moins là, qu'on avait recommandé l'achat sur support quand il était comme à 12$. Puis là, il est rendu à 13,17$. Donc, c'est rendu la place qu'on peut prendre un profit. Il était comme ça ce matin avant l'ouverture, mais là, il est revenu là. Fait que, donc, à ce niveau-là, comme il est rendu à sa résistance, puis à partir d'une résistance, c'est toujours possible qu'on revienne sur le support. Donc, si on avait acheté sur le support, on vend la moitié là. Puis, si jamais il redécolle à 13,40, bien, on la rachètera. c'est la meilleure chose que j'aurais à dire. Pour l'instant, l'achat sur support a payé, mais on n'est pas encore en tendance haussière. Ce qui fait monter le gaz, là, c'est la poussée de froid extraordinaire qu'il y a aux États-Unis. Hier, on a battu des records de décennies, pour ne pas dire 100 ans. Hier, il faisait moins 15 à Vancouver. OK? On ne voit pas ça à Vancouver, là. À Vancouver, le monde n'a même pas de bottes d'hiver. Même quand il neige, le peu de neige qu'il y a, le monde se promène en running shoes, là. Ça fait longtemps que c'est le même. Mais il a tombé un mètre de neige dans les Sierra Nevada, proche de San Diego, puis Seattle. Puis dans le nord-ouest, dans les territoires du nord-ouest, hier, dans un petit village, là, sur le bord du gros lac que là, je me souviens plus du nom, là, il faisait moins 54. Ouch! Imaginez-vous, le gars qui faisait le reportage hier à la radio, qui était un météorologue, il dit, regarde, si vous aviez un thermomètre dehors accroché sur le mur, là, ben il pète. Parce que le thermomètre, ça rentre pas à moins 50. Ça fait moins 54. Alors, remarquez que ça s'est déjà vu il y a bien des années en Abitibi, au moins 52. En tout cas, moi, j'ai été faire de la motoneige avec tous les employés de Décision Plus, 7-8 ans, puis il faisait moins 38 le matin quand on s'est levé, puis on avait été en skidou la veille. Puis tu sais, à ça, les skidou, c'est plus des rouleaux qu'il y a en dessous. Les motoneiges, c'est plus des rouleaux, c'est des patins, c'est comme de la céramique, là. C'est des patins qui frottent sur de la céramique, puis ça chauffe, ça. Fait que quand tu arrêtes les machines à la fin de la journée, comme c'est chaud, puis le froid, c'est comme vos lunettes quand on va rentrer en dedans, là. Fait que
puis ça gèle. Et le matin, là, il fallait qu'on prenne les motoneiges, on se levait, là, puis on levait les motoneiges, là, par le derrière de la motoneige, puis bang, il fallait les casser comme... Parce que les moteurs partaient, mais les motoneiges n'avançaient pas, les choses étaient gelées bien raides. Tu sais, quand tu es rendu à moins 35, moins 40, là, c'est frais en tabarouette. Ça prend une poudre caribou. Pouf. RFP, bon, OK, Mathieu, RFP, RFP, 13, RFP, il est direct là. Payé 20$ il y a plusieurs mois. Oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps, pas mal de mois même. Payé 20$, c'était en avril-mai. Hein, à Toronto, c'est ça? Oui. Depuis un mois, vendu 40% de ma position au cours des dernières semaines. Donc, une autre partie ce matin à 19. Potentiel à la hausse pour que le titre monte jusqu'à 22, possiblement. 21, parce que ça, ces deux résistances sont à 21 et quart. Fait que je dirais 21 max. Parce que regarde, la hausse, elle se fait même pas sur des gros volumes. Ici, il y avait du gros volume dans le temps. Mais là, de ce temps-ci, il n'y en a pas bien. CCL, un achat à 68$ pour un trade. Oups, là, CCL, c'est Carnival, ça. Carnival, c'est un peu, il faut pas que ça se transforme en carnivore. Non, pas ça. Oui, Recreational, CCL. Hein? CCL, un achat à 68$. Ah, CCL.B, non, c'est au Canada, ça. Ah, OK, c'est pas la même affaire, pas en tout. CCL.B. Un achat à 68 pour un trade jusqu'à 70,5. Bon, ben premièrement, la résistance, ouais, est à 70,5. L'achat à 68, c'est bien trop serré. Regardez. Oups, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de données de même. Et boy, c'est un peu serré. Ça, là, je mettrais ça un petit peu plus loin que ça. C'est l'industrie qui a rebondi un matin, un petit volume de 46 000. C'est pas grand-chose. Je mettrais ça 68 et quart minimum, voire même 60. Ben, 68,5, regarde, pour 2 piastres. 2 piastres à 68, ça ne sera pas un gros trade. Moi, je ne suis pas certain que Exo va se faire acheter quand c'est lui qui achète les autres. Ben, je ne sais pas avec quoi qu'il achète les autres. Avec un stock qui vaut ce qu'il vaut, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il achète. À un moment donné, il va se mettre à monter quand il sera le plus grand producteur au Canada. Ben, dans vos rêves. Dans vos rêves. Le plus gros producteur au Canada, ben voyons donc, Tilray puis Weed sont bien plus gros que lui, à mon avis. Non, écoute, rien qu'à regarder les stocks, là, vous regardez dans le cannabis, là, regarde, Weed il vaut pas cher, mais il valait bien plus cher, il valait 70, mais ça reste quand même un des gros joueurs, puis Tilray aussi. Mais quand on parle de Exo, un stock qui vaut 71 cents, il va être le plus gros producteur au Canada, j'ai un sérieux doute. En tout cas, on va vous dire une affaire, ceux qui en ont acheté en 2021 qui ont payé ça 10 piastres, là, ils mangent le bon en tabarouette, puis c'est pas demain qu'ils vont rentrer dans leur argent. Moi, je pense que vous l'aimez trop. Ah, Bob. Oui, mais Bob, vous n'êtes pas tout seul à poser des questions. Là. CFP Toronto, je ne comprends plus rien. J'ai besoin de plus d'explications de votre part. Bris d'un triangle ascendant, bris d'une résistance de plusieurs semaines, bon volume en mi-journée, secteur en hausse, tous les critères que vous parlez régulièrement. Oui, mais vous avez échappé quelque chose, là. Vous avez échappé le fait que le secteur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois qu'il monte.
Vous avez échappé le fait que le secteur au complet est sur un top de couloir. Ou là, vous regardez vos affaires à long terme et vous oubliez votre court terme. Regarde, formation triangulaire, triangle ascendant, OK? Regarde, je vois pas de triangle ascendant, moi, là-dedans. Là. Je sais pas aussi que vous voyez ça, là. Moi, je vois pas de triangle ascendant. Bride une résistance de... Ah, attends un peu, on va aller sur CFP, là. Bien, c'est parce que vous ne regardez pas le secteur au complet, OK? Vous concentrez juste sur un stock, là. C'est que bon volume à mi-journée, mais ouais, mais regardez là, OK? Aujourd'hui, là, vous regardez ça de même, là, mais ce cote-là, là, c'est pas là qu'elle va, là, c'est ici, OK? C'est là qu'elle va, ce cote-là. Parce que il y a deux jours de fermeture, donc c'est pas deux jours de mouvement neutre. Quand je vais enlever ça, là. C'est pas deux jours de mouvement neutre avec un nouveau décollage. OK? C'est pas ça pantoute. C'est que le marché était fermé. Fait que ça, c'est une cote qui devrait être là et qui arrive en plein sur le top d'un couloir, peu importe la manière qu'on trace notre couloir. OK? Et ça fait que c'est un titre qui monte depuis 1, 2, 3, 4 jours. Donc, vous n'êtes pas au début, vous êtes sur le sommet d'un cycle. Je parle des critères, mais des fois, c'est un peu plus difficile à analyser, surtout lorsqu'il y a des journées de fermeture comme ça. OK? Pas parce que j'essaie d'être négatif. Donc, moi, je n'achète pas un stock qui monte sa cinquième journée, puis surtout pas sur le plus haut de sa journée. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de potentiel à court terme. Regarde, il va peut-être continuer à monter pareil, mais ça reste que c'est pas optimal. Est-ce que tu peux nous rappeler la recette pour la pousse des cheveux? C'est pas une recette, c'est juste un produit, mais tu sais, c'est pas un produit miracle, là. Ça fait pas pousser les cheveux à un chauve, OK? Si vos cheveux sont tombés parce que depuis bien, bien, bien des années, vous avez plus de cheveux puis c'est rendu un rond de cuir, là, ça fait pas pousser les cheveux. Ça aide à faire repousser les cheveux vraiment pour ceux qui perdent leurs cheveux. OK? J'en suis la preuve, je l'ai eu. Moi, j'ai eu un accident. J'avais un gros rond sur la tête 2 ans de temps. J'avais l'air du frère Toc. Puis c'est les gens chez Centre Capillaire Pierre, qui est un gros, gros centre capillaire. Tu sais, la business en triangle, là, quand tu montes la rue Papineau au coin de Van Horn, ils sont très, très connus. Moi, j'étais voir, puis le gars, il dit, regarde, nous autres, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on en plante des cheveux. On peut te faire un petit toupette, ou bien on peut te planter des cheveux. Puis il m'a dit, essaye ça. Puis de toute façon, je suis dû pour une pause, je vous le montre en revenant. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit.
vous pouvez intégrer Réflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Réflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, attendez un peu, je vais vous le montrer. Un peu, je vais mettre ça comme ça. Je vais vous montrer ça d'une autre manière. Si je prends ça de même. Tiens, ça. Ah, voilà, tiens. Là, je vais vous montrer ça comme ça. Tiens, l'argile verte là, que vous me demandiez, là, regarde, c'est la marque. Oups! C'est la marque Naturiste Green Clay, en français aussi. Ben oui, tiens. C'est la marque Naturiste Argile Verte. Mais eux autres, ils disent que c'est un purifiant pour le visage et le corps. Ça a toutes sortes de bienfaits, l'argile verte, comme ça, qui existe dans la nature, là, tout simplement. Il y en a d'ailleurs sur le bord... le long de la plage, à Oka, il y en a des places que j'en ai vu à des places. Et puis, ça sert à ça. Ils disent pas là-dedans que ça fait pousser les cheveux. Ils disent que ça a des propriétés cicatrisantes. Mais quand vous regardez sur Internet, ils en parlent à certains endroits. Puis le sac qu'il y a dedans, ben c'est ça. Là, c'est un sac bien scellé, là. C'est une poudre verte que vous mélangez avec de l'eau, pas trop liquide puis pas trop épais, puis vous faites un petit shampoing comme ça, une fois par semaine, pendant 3-4 semaines, puis tant mieux si ça marche. Mais en fait, ça ne guérit pas la calvitie, là. Ça ne rend pas un chauve avec des cheveux. Mais je l'ai vu la preuve, j'ai une ancienne blonde, les cheveux n'arrêtaient pas de tomber dans le lavabo, elle commençait à avoir le fond de la tête dégarni. Puis, quand j'ai fait ça 2-3 fois, puis elle était toute folle. Elle disait, regarde, j'ai une mop sur la tête. Fait qu'elle était rendue avec les cheveux arrêtaient de tomber, puis ses cheveux avaient épaissi. Mais mon copain François, qui m'a sauvé la vie en dessous de mon VTT à la chasse, lui, il perd ses cheveux depuis des années, il est tout dégarni en avant. Lui, il a essayé, puis ça ne fonctionne pas. OK? Mais ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour ma blonde, puis ça a fonctionné pour d'autres mondes. Ça dépend de la raison pour laquelle j'ai perdu vos cheveux. Puis c'est quand même des grands experts capillaires qui m'avaient recommandé ça. Puis ça coûte 10$ une boîte de même. Moi, je l'ai pris chez Naturiste au Hall d'Anjou. Il y en a partout de ça. Oui, c'est de l'argile verte. Puis c'est sans danger, hein. C'est même très, très bon pour la peau. Ça adoucit la peau, c'est bénéfique, là. Vous pourriez vous faire un bain de boîte à l'argile verte dans le bain avec votre blonde, avec ça, sans aucun problème. OK. Que penses-tu de WNW? Ça a un petit party d'argile verte, hein? Quand on allait en bateau, on allait sur la plage de Oka, puis on y en avait à terre. Puis on prenait de l'argile verte, puis on se recouvrait tout le corps au complet, excepté les yeux. Ça fait drôle quand t'es tout recouvert de glace, t'as l'air de E.T. Mais c'est surprenant. Après, une fois que tu t'es fait comme ça, là, tu t'es mis de l'argile partout, ça a un peu la propriété de... Je sais pas si vous avez été déjà dans des... Dans des bains d'eau sulfureuse, là, des bains de boue qui sont pleins de minéraux. Là, quand tu prends ces bains de boue-là, après ça, quand tu trinces, là, on dirait que tu as perdu 10 livres. Comme quand vous allez dans les hot springs, dans les rocheuses, là, partout dans l'Ouest américain. J'adore quand je vais dans l'Ouest américain, je vais toujours faire des tours dans les hot springs naturels. Là. C'est plein de minéraux. Hey, tu te baignes là-dedans pendant 10-15 minutes, là, parce qu'après, t'as bien trop chaud. C'est de l'eau qui est quand même très chaude. Puis après ça, on dirait que tu flottes dans les airs. Ces minéraux-là se rentrent dans ton corps, là, puis c'est un effet thérapeutique extrêmement évident.
Puis il y a une petite place comme ça, extraordinaire, dans la vallée de la mort. Si jamais vous allez là, là, je vous expliquerai comment aller là. C'est vraiment cute. WNW, Wu Nong, il a décollé ce matin. On dirait qu'il est sur le point de redécoller. On va le mettre dans un graphique comme ça, là. Tiens, un INT, où est-ce qu'il est? Tiens, on va le mettre à... Hop, CCOP, CPOP aussi, il en a fait quelques fling-fling depuis ce matin. Il a fait plusieurs cycles, et puis tranquille, là, on va le garder. On va mettre plutôt Nasdaq, ça c'est WNW. Yak. OK, on va le mettre en minute. Il n'est pas très actif, hein? En quotidien, il fait quoi? Ah, c'est un stock de 200 000 de volume. On va être obligé de mettre beaucoup de données pour voir quelque chose. Bon, tu vois, il a fait 2,40, 2,83, puis là, il est remonté, puis il ne fait plus grand-chose. Regardez, j'ai un graphique en direct ici, live, là, le Bidenas, qui est comme gelé là, 2,67, 2,73. Vois-tu, il y a un gros écart entre le Bidenas. C'est dû au fait qu'il ne se transige pas beaucoup. Si on normalise un peu ses volumes, là, sa moyenne de volume par graphique de 4 minutes, là, c'est 12 000. Fait qu'il se transige pas beaucoup. Là, il est arrivé à sa résistance. Ça fait que là, pour l'instant, il faut se garder une petite gêne. Il roule entre ça et ça. Il faudrait qu'il se stabilise en bas de 2,77. Puis une fois stabilisé, il redécollera à 2,80. Mais je vous dis, j'aime pas beaucoup ce genre de titre-là. C'est n'importe quoi. F8, tiens. Par contre, on peut dire qu'il est dans un point de revirement. Fait que moi, je mettrais ça au moins 2,85. Puis il faudrait qu'il se stabilise en bas de 2,80, qu'il décolle à 2,85. SIS Toronto payé. C'est de la misère parce que quand je me mets le dos un peu, là, ça me fait mal à la côte. Fait que je suis obligé de m'accoter dans ma chaise. Fait que je vais me repositionner là, parce que ma côte me fait mourir. C'est quoi l'autre? SIS à Toronto. Je m'en souviens jamais, c'est quoi? Ah, ça va rien. OK. Bon, toujours dans sa tendance baissière. Il a rejoint un certain support, mais c'est loin dans l'historique, là. C'est quoi la question? Payer 15$. Ah, bon, au moins, ça fait longtemps que vous l'avez, hein? Et Colin, certain, ça fait très longtemps. Vous l'avez depuis 2020. 15$, c'est à peu près là. Ouais, c'est ça, c'était en 2020. Vous avez oublié des profits, non? Il y a un an, c'est ça. Il y a encore un potentiel à la hausse ou préférable de vendre pour passer à un autre titre. Peut-être prendre un profit, par exemple. Attendez un peu, là, on va regarder ça comme il faut. Ben, en tout cas, à 15$, c'est juste en bas ici, là, OK? Certain, c'est que, regarde, vous l'avez gardé tout ce temps-là, vous ne l'avez pas vendu à 23-22,5$, vous l'avez encore, Mathieu. Moi, je dirais, entre les deux, pourquoi pas sécuriser la position. 15$, il est à 19 à peu près, là, à 3 cents de 19. 15 à 19, ça fait 4$, fait qu'il vous reviendrait à 11$. Vous ne pourriez plus jamais perdre de l'argent dans ce stock-là, à moins que la compagnie ferait faillite, mais ça n'arrivera pas à ce prix-là. Ça fait que moi, j'en vendrais la moitié, je garderais la moitié. Mais à 18$, on débarque de là. Puis, le jour où il repartira à 20$, bah, on pourra la reprendre, la demi-position, puis faire un autre petit bout jusqu'à 22. Pour revenir sur les volumes, est-ce que là, on effectue un fractionnement ou une consolidation? Est-ce que les volumes se corrigent aussi? Bien oui, c'est sûr, il faut. ça ne fonctionnerait pas si ça... Il n'y a plus rien qui aurait du sens, là. Fait que quand on fait un fractionnement,
le prix de l'action se divise en deux, mais les volumes se multiplient par deux. Fait quand on fait une consolidation, là, le prix monte en haut, mais le volume est toujours ajusté. C'est automatique, ça, avec la fonction du logiciel. Fait que quand c'est un fractionnement, mettons 2 pour 1, on fait 2 pour 1. Mais quand c'est une consolidation, on fait 1 pour 2. C'est jamais 1 pour 2, c'est toujours 1 pour 10. Là. Le BBA prêt à partir, c'est le BBA aux États-Unis, Walgreens. Hein? WBA. Ben oui, Walgreens, Boots, Alliance, prêt pour un swing, ben il est déjà swingé. Puis je vous rappelle que c'est pas un deuxième cycle, mais c'est toujours le même cycle. Eux autres ont été fermés vendredi. Hein? Fait que, tiens, on va le mettre comme ça. Lui, il était fermé vendredi. Fait qu'il faut voir, faut pas voir le graphique comme s'il avait fait une pause, là. OK? Il a pas fait une pause puis suivi d'un autre décollage. En fait, c'est fermé vendredi. Ça, c'est lundi, mardi, mercredi, parce qu'ils ont été ouverts, eux autres, toute la semaine. Ils étaient là. Fait que, donc, la première journée, il a fait ça. La deuxième journée, il a fait ça. Oups! Il a fait ça. On les décale toutes d'une journée, là. OK? Voyons, elles sont mal faites, là, mais en tout cas, lui, ce que je veux dire, c'est que ça a été le même cycle, c'est pas un deuxième cycle. Puis de toute façon, même si c'était un deuxième cycle, il serait essoufflé, il serait déjà à sa troisième journée. Puis en plus, regarde, il est rendu à sa résistance, j'ai fait un peu trop serré, tiens, regarde, on est rendu pas mal à sa résistance, on est en plein droit dessus. Fait que là, il n'ira pas plus haut que ça pour tout de suite. Il va sûrement faire une pause là. Ça, c'est 52. Ça fait qu'il devrait faire une pause de plusieurs jours ici, voire même une correction. Et donc, 52 pièces et demie à 56, ce sera envisageable. Daniel, comme le marché est dans un range depuis le début de novembre, je suis sorti du marché depuis ce temps. J'attends, c'est mieux. C'est mieux que ce que j'ai fait en 2021, monter d'un portefeuille de 5 000 à 7 000 pour finir à 5 000. Au moins, comme première année, je ne suis pas perdant. J'ai analysé mes transactions, j'ai vu mes erreurs, c'est au moins ça de prix. Bonne année et lâche pas, c'est super. Bien, regarde, c'est le métier qui rentre, Daniel. Pixie achat 1,66, ça c'est mon... C'est mon Shift Pixie. Il est là. Achat 1,66. Oh, 1,66. C'est 1,65, là, mais on s'entend que c'est pas mal proche. Tiens, 1,66, c'est là. OK. Bon. Puis là, on a un gros support ici. Il n'y avait pas de nouvelles, on n'a pas vu de nouvelles là-dessus, c'est juste qu'ils en parlent dans les médias là, de ce titre-là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils font, il me l'a dit ce matin, Jocelyn, mais je l'ai oublié. C'est PIXY, PIXY, moi je l'ai trouvé dans un scan en pré-ouverture. Ah bon, OK, c'est sa deuxième journée de hausse. Bien, en fait, je l'ai trouvé hier après-midi, parce que c'est hier après-midi vers 2 h que le site a décollé, puis que j'ai fait un scan en onde avec les gens. Regarde, c'est à peu près ça, ouais, 13 h 30, regarde, il y a midi, puis à 13 h 30, il a fait des mouvements comme ça. Ce matin, oups, il a décollé en haut. Ça fait que quelqu'un pouvait rentrer là-dedans hier après-midi en day trade, faisait quand même un peu pas mal d'argent. Pouvait coucher avec, mais là, ce matin, c'était pas bien ben un beau point d'entrée. Mais, et puis là, son problème, c'est qu'il est rendu à côté sur sa résistance de là, OK? C'est pas un hasard, là, qu'il a redescendu à partir de ça. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire. Le volume a été bien bon aujourd'hui, mais le volume, il s'est fait ce matin. Puis il y en a eu en descendant, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de volume, mais il n'y a pas de direction pantoute. Fait que, honnêtement, à 1,47, il y aurait un point de vente. Puis comme point d'achat, c'est pas aujourd'hui que ça va se passer.
ça va prendre comme plusieurs jours de mouvement neutre de côté. Excusez, de la misère. Un instant. Il faut que je me tienne la côte pendant que... c'est pour ça que je ne voudrais pas attraper l'Omicron, la grosse grippe d'homme, là, parce que... s'il fallait que je passe 3, 4 jours, 5 jours à tousser, là, je viendrais fou. Ça fait, ma côte, elle fait mal. Quand je touche... Oui? Concernant Pixie, juste un petit rappel. Oui? Il n'y a pas de nouvelles dessus. C'est simplement des médias qui le réfèrent comme étant un bon stock... C'est ça que je leur ai dit. C'est des médias qui le réfèrent comme un stock à acheter à long terme. Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Moi, elle est marquée technologie d'information, mais je sais pas c'est quoi. Parce que je connais Pixie. Je connais Pixie Tanker, mais c'est pas le même Pixie. Il y a Pixie puis il y a Dixie. Les deux souris, tu sais. On va revenir là-dessus, mais pour l'instant, ça va prendre de la patience, mais je mettrai un stop à 1,45$. Comment vois-tu ISO d'ici quelques mois? Présentement, 54,50. Me vois-tu à la hausse ou à la baisse? Merci pour tes bons conseils. Bof, le pétrole, moi, je trouve qu'il a déjà bien, bien monté pour rien. Là, regarde, le pétrole, la poussée du pétrole est complètement artificielle. Moi, je sens que les pétrolières sentent la soupe chaude. Puis là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour vendre le plus de pétrole possible ou le plus cher possible. Mais regarde, avec tout... On a beau dire, tu sais, le président de Chevron, là, il a dit à un moment donné, « Le pétrole ne peut pas faire autrement que monter, la population mondiale monte tout le temps. » Mais oui, mais Toto, regarde, il y en a des millions d'actions, ce gars-là, dans son portefeuille. C'est normal qu'il dise ça, mais d'un autre côté, avec toute l'électrification, là, tu sais, on parle de l'hydroélectricité, les éoliennes, les panneaux solaires, les auto-électriques, et toutes ces affaires-là, ça ne marche pas au gaz, ça, là. Ça fait que ça ne marche pas au pétrole. Fait que le pétrole, il est un... On n'avait rien de ça. Regarde, il y a bien des années, là, ils ont dit, hey, du pétrole, on a juste pour 40 ans, on va en manquer. Je me souviens, moi, je travaillais à l'Imperial Oil dans ce temps-là. Ça fait que puis le baril de pétrole, il coûtait 35$ le baril. En 1979, quand je suis rentré à la raffinerie impériale à Montréal, le pétrole valait 35$ le baril. Puis là, quand le pétrole a monté à 55$ le baril, ils ont dit, c'est plus rentable, on ferme la raffinerie de Montréal, on va garder juste celle de Sarnia, puis celle de Dartmouth, puis, parce que ça coûte trop cher à 55$ le baril, chauffer le pétrole, parce que ça prend du pétrole pour faire du pétrole, hein, parce qu'il faut le chauffer pour le distiller. Puis, c'était tout de la foutaise. Ils ont dit, il n'y en avait plus, les réserves étaient en baisse. Puis là, ils ont trouvé le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Ils se sont mis à creuser des kilomètres en dessous. Et dans le golfe du Mexique, là, il y a des puits là, qui ont peut-être 3 kilomètres de creux. Là. Fait que, ils ont trouvé des meilleures méthodes. Après ça, ils ont découvert les sables bitumineux. Bien, ils ont découvert un moyen de l'exploiter parce que ça fait longtemps qu'ils savaient que c'était là. Quand tu creusais un trou, une fois que tu avais creusé 2 pieds, le sable était noir, tu sais. Fait que ça n'a pas été long qu'ils ont compris. Excepté quand ils ont commencé à produire le baril de pétrole en Alberta, ça coûtait 90$ le baril pour extraire le pétrole du sable. Ça fait que c'était pas rentable parce que le baril de pétrole, il valait 50-60$ sur le marché. Ça fait que, oups, quand le pétrole s'est mis à monter bien plus cher, ils ont fait de l'argent. Là, maintenant, apparemment, c'est beaucoup moins cher que ça leur coûte, mais ça leur coûte quand même assez cher. Mais ils ne savent même plus quoi faire avec le sable bitumineux parce qu'il n'y a pas personne qui en veut. Même nous autres, au Canada, il n'y a personne qui utilise le pétrole de l'Alberta, là. On ne sait pas de ça, là. C'est pas ça qu'on a dans les stations de gaz puis dans les camions, là. C'est tout shippé ailleurs, c'est vendu ailleurs, parce que notre pétrole de sable bitumineux, c'est un pétrole sale, OK? C'est sale. Premièrement, écoute, ben, il n'est pas sale parce qu'il est dans terre, il est sale parce qu'il y a beaucoup de soufre, puis de H2S, puis de toutes sortes de produits chimiques dedans, fait qu'écoute, c'est ça qui fait qu'il coûte cher à raffiner.
Puis on ne sait même pas quoi faire avec. Puis là, comme là, ils ont décidé d'abandonner toutes les pipelines, là, il y a même un auditeur qui nous écoute, qui reste en Alberta, là, qui travaille dans le domaine pétrolier, et puis s'en revient là au Québec. Parce que la ville où il demeure, là, où il a acheté sa maison, là, pouf, les maisons, ça va le prix des maisons, paf, il tombe de même là-bas, parce que t'es loin c'est loin, tu sais, Cold Lake, là, c'est loin en tabarouette d'Edmonton. Je pense que c'est 3 heures. 4 heures d'Edmonton, je ne m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été. Ça fait que, qu'est-ce qui va arriver avec le pétrole dans le futur? Ben, je pense que le pétrole, il va se faire malmener, parce qu'il y a toutes sortes d'énergies maintenant qui sont là pour remplacer le pétrole. Puis ça, on n'a même pas parlé de l'hydrogène, puis on n'a même pas parlé de d'autres choses, parce que les technologies s'améliorent. Je pense qu'il faut prendre ça à mesure, comme ça s'en vient. Puis là, il n'y avait pas le choix de faire monter le prix du pétrole parce que toutes les petites pétrolières étaient sur le point de crever. Regardez, là, c'est bien facile, là, vous n'avez rien qu'à aller voir le prix des actions, OK? On va se mettre sur 5 ans, OK? Sur 5 ans, avec 250 périodes, ça, c'est le prix du pétrole, OK? USO. OK, bien, regarde... il a valu plus cher que ça avant, là, OK? Puis là, bien, il a fait quand même une remontée, puis les titres pétroliers ont monté plus que le prix du pétrole. Donc, c'est toutes des montées artificielles. Mais regardez bien, quand on va tomber dans les stocks, là, bon, des white caps, là, c'était rendu à une pièce, ça, là. Puis là, bon, on va pas assez loin en arrière, là, mais ça valait bien plus cher que ça avant. C'est parce qu'on est de 5 ans en arrière. Fait que là, ils ont fait remonter ça parce que ça s'en allait tout en faillite, là. Tu sais, regarde, le stock, il valait, là, regarde, imagine-toi, Meg est parti de 1,35 à 12 piastres. Donc, ça a été tout vraiment propulsé à la hausse. Regarde, Carson Point, on est loin de revenir où ce qu'on était, il valait 15, là, il en vaut 7. Bon, fait qu'on a fait un bon bout, mais c'est à surveiller pareil, parce que c'est pas demain que le pétrole va mourir, on en a encore besoin, mais la hausse du pétrole, là, elle a été, ils ont tout fait pour remonter le pétrole, tout simplement en produisant moins de pétrole, ils en ont en masse, mais quand t'en produis pas, ben là, tu fais monter le prix, ça crée une rareté artificielle. Mais il y a à peine 2 ans, les compagnies étaient sur le bord de la faillite, là. Regarde, Paramount, il valait 2 piastres, il vaut 25 piastres. Puis c'était comme ça all the way. Regarde, je vais juste passer vite, là. Regardez, tous les stocks pétroliers avaient un méchant gros creux. Puis ils ont bien remonté depuis le temps. Mais là on a peut-être tiré sa couverte pas mal fort. Mais il y a Warren Buffett qui est loadé, puis il y a un gros lobby sur le pétrole aussi, parce qu'il rapporte aussi bien des taxes. Moi, j'aime mieux prendre ça à mesure, comme ça s'en vient. Je dis tout simplement que c'est que là, dans le moment, on est dans un point pas mal de saturation, on est dans une grosse formation neutre, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir de là, mais pour l'instant... c'est petit à petit qu'on va prendre ça, puis faire des prévisions sur 2 ans puis 3 ans sur le pétrole, c'est quelque chose qui est irréel, qui tient de l'irréel. Salut, Cobra! Ben oui, un beau Cobra. On le voit-tu dans le nom, le Cobra? Ben oui, on le voit. Oui? Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'ils font, Pixie? Oui, qu'est-ce qu'ils font, Pixie? C'est intéressant, ils sponsorent, ils parrainent 4 SPAC, dont il y en a une qui est sur les marchés présentement. Ouais, wow, attends un peu là. Regarde, là, tu me fais penser à un gars en train de faire un discours en chinois puis qui essaye de traduire, mais moi, je ne traduis pas à mesure. Là, tu me racontes une histoire qui est vraiment longue. Là. Comment je fais pour résumer tout ça? Pour l'étape. OK, regarde. Pour l'instant, là, Pixie, c'est une compagnie de gestion. Ils font du placement de personnel, ils font de la gestion de personnel, puis là, ils parraineraient comme 4 SPAC. Donc, qu'est-ce qui...
Où est-ce que ça va mener, ça? Ça reste quand même une compagnie qui valait 75 cents. OK. Elle semble avoir de l'avenir parce que, surtout dans la gestion présentement, surtout la gestion de personnel, ça peut avoir de l'avenir. Mais moi, ce que je regarde, c'est son passé. Puis pour l'instant, il y a un maudit paquet de ballons qu'il y a eu dans cette compagnie-là. Là. Fait que là, les compagnies en parlent comme... les médias en parlent comme quelque chose qui a de l'avenir à moyen terme. Mais je dis, OK, on va quand même rester prudent, là, OK? L'histoire n'a pas changé tant que ça depuis 2-3 semaines. Puis la compagnie, elle vient, à moins qu'elle ait consolidée une couple de fois, mais regarde, elle valait 450$, puis là, elle valait 75 cents. Fait que faut appeler un chat, puis un chien, là. Pour l'instant, moi, je dis, il faut... quand tu écoutes parler tout le monde, bon, ben ça qu'elle monte à 450$, mais on prend ça un signal à la fois. Pour moi, le prochain signal, c'est 1,88. Mais oui, elle est dans un domaine intéressant, mais jusqu'à date, elle n'a pas fait de l'argent dans son domaine. Là. Fait que il y a des questions à se poser, puis peut-être un petit peu de recherche à faire. Moi, j'aime pas trop ça, m'emballer fondamentalement dans des titres qui sont sur la bourse, qui ont sous-performé le marché pendant des années. PPL, Pembina, point d'entrée pour une position à moyen terme. Je ne détiens pas le titre PPL, Pembina Pipeline. À moyen terme, ben, moi, je ne suis pas dans le moyen terme, parce que moi, je ne suis pas capable de produire ni le moyen, ni le prédire, ni le moyen, ni le long terme. Ce n'est pas mon travail. Pour l'instant, on a un potentiel de 39,5 à 42,5 à peu près, le jour où il va sortir de sa torpeur. Mais je ne sais pas, Pembina, ils sont dans quel pipeline ou whatever, mais pour l'instant, les pipelines, ils se font mener la visure en tabarouette, à moins qu'ils recyclent pour pomper d'autres choses dans le tuyau. Là. Sa planète, il n'y a personne qui en veut des pipelines. Là. D'ailleurs, ils ont bloqué tous les projets de pipelines, de celui de Tecamat, puis toute l'affaire dans l'Ouest. Là. Regarde, comme je parlais des sables bitumineux tantôt, l'Alberta, elle ne sait même plus où l'envoyer. Ah, les Chinois, ils en veulent du pétrole. Ouais, mais s'ils veulent avoir le pétrole de l'Alberta, il va falloir qu'ils viennent acheter tous les terrains de l'Alberta jusqu'au bord de la mer, dans les Rocheuses. Ils ont essayé de passer à travers le Canada, le Canada a dit non. Ils ont essayé de passer à travers les États-Unis, mais les États-Unis ont dit non. Mais non, ils ne veulent pas voir le Canada venir nous passer notre pétrole en dessous de leur nez. Ils veulent vendre le leur avant. BNS, point d'entrée. Bon, c'est saturé les services financiers, là, oubliez ça, là. Regarde, on va prendre une petite secousse, là. Regarde, c'est le BNS, elle, qui a la mieux performée dernièrement, elle était là, mais c'est rendu, c'est rendu pas mal essoufflé. On est dû pour une correction dans les services financiers, là. Regarde, on est à côté. Regardez, si vous suivez ce sommet-là, puis ce sommet-là, on arrive là. Si vous suivez ce sommet-là, puis ce sommet-là, on arrive là. Puis si on suit toutes les creux partout, on est complètement sur le haut d'un couloir. Moi, je trouve que c'est pas judicieux d'entrer dans les services financiers présentement. CTC.A, ça, c'est dans les consommations discrétionnaires. Ouh! Bon, là, Mathieu, tu as passé ton quota de questions pour aujourd'hui. Canadian Tire, bon, c'est la consommation discrétionnaire. Aujourd'hui, hier ou avant-hier ou demain, ça ne change pas bien grand-chose. Depuis le mois d'octobre, il se promène là-dedans. Il n'y a plus de direction. Il a quitté sa tendance haussière. Il est dans une grosse tendance baissière, excepté que là, dans le moment, il fait un mouvement qui est neutre, qui est remonté. Même dans le temps des fêtes, gars, il n'a pas remonté. Ça va prendre une bonne pause en bas de 185-187, là. Puis je ne vois pas de point d'entrée là-dedans avant 190, parce que, regarde, octobre, novembre, décembre, là, ça fait 3 mois qu'il est là-dedans, que de temps à attendre que notre stock il bouge. Puis en plus, il est au milieu de son mouvement,
Non, dans le temps, vraiment, là, c'est son point d'inversement, là, c'est passé, c'est à partir de 187 piastres. Est-ce que ça se vend dans une pharmacie? Bien, regardez sur Internet, là, ils vont vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ça. Moi, je oui, probablement, probablement, puis c'est pas obligé d'être de cette sorte-là, autant que c'est de l'argile verte. Moi, je dis souvent de la glaise, là, mais c'est de l'argile, glaise, glaise puis argile, c'est pareil, là. C'est de l'argile verte, vérifiez dans votre pharmacie, sûrement, c'est des produits de beauté, il y a le prix en dessous de 9,99. Moi, je les ai pris au Hall d'Anjou, mais c'est des magasins, ça, hein, naturistes, là. Checkez ça sur Internet, là, produits naturels, naturistes, c'est des magasins qui s'appellent de même. C'est bien, 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 bien connu. Écoute, c'est pas des terres rares, là. C'est de la glaise verte. Vous allez en trouver facilement. Je possède un compte canadien seulement. J'ai décidé de ne rien trader aujourd'hui. Je laisse le marché s'ajuster aux deux journées de fermeture. Trop incohérent. C'est vrai que c'est très incohérent, mais en plus, aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que, regarde, on a un marché qui fait rien. On est en baisse, on a rebondi, on redescend, tous les secteurs, c'est pareil. Le pétrole, regarde, on recommence. Le USO, il est sur un top. Le gaz n'est pas sorti de sa formation encore. On avait fait un achat sur support, maintenant c'est le temps de prendre un profit, mais on n'est pas loin de pouvoir embarquer. Mais les orifères, regarde, ça fait rien pantoute, une grosse phase neutre. Les mines, c'est un faux décollage, c'était juste une petite journée de plus. En plus, il n'y a pas de volume aujourd'hui. Regarde, Turquoise, ils se recorrigent. Les autres sont tous à leur sommet, on les a analysés tantôt, tu sais. Donc, ce serait acheté sur des tops, on n'achète pas sur des tops. Ça fait que, puis, si on regarde nos secteurs qu'on avait tantôt, mais regarde, les autos électriques qui ont chuté, ils ont rebondi un petit peu, mais regarde, ça va nulle part. Oh, XPEV est remonté un peu plus, parce qu'il y a XPEV puis Eli, c'est les deux plus forts. Mais les airlines ont chuté, ils ont rebondi, puis ils restent là. Oui, il a chuté, il a rebondi un peu, il est revenu par en bas. Mais regarde, tu vois, il n'y a pas grand-chose là qui bouge. Il y a juste les bateaux qui ont rebondi, mais ils restent quand même à zéro. Fait qu'on n'a pas de nouveaux cycles haussiers nulle part, dans aucun secteur présentement. Fait que ça prend la patience d'attendre que quelque chose se passe. De toute façon, le marché se pose des questions. Le marché ne sait pas où il s'en va. Puis là, ben, c'est la grosse affaire de la COVID. Là. Ça fait que, regarde, moi, j'adorerais ça, là, trouver des affaires extraordinaires. Mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est grand. On ne va pas acheter du pot pendant que le pot se pète la gueule. Puis moi, je regarde toujours mon secteur mélangé, puis je le vois là-dedans, je dis « OK, OK ». Il y a des cas d'exception, regarde. TKT a bien fait ce matin, mais là, il est complètement saturé, là, c'est fini. C'est vraiment dur de prendre position pour plusieurs semaines là. Je pense qu'il faut rester calme, puis attendre de voir que les choses se passent, parce que n'importe quelle brique peut nous tomber sur la tête encore. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si le fameux Omicron, il ne va pas muter dans d'autres choses, OK? Les pays sous-développés ne sont pas vaccinés, là. Il y a à peu près une personne sur 10 qui est vaccinée. Ça fait que le virus va faire encore beaucoup de ravages dans les pays sous-développés, les pays pauvres, puis c'est là qu'il va trouver le meilleur plan pour muter, OK? Ça fait que... Mais ils ont dit ce matin que l'Omicron, ça n'a même pas rapport, c'est même pas un virus comme l'autre. C'est comme si c'était même pas une variante, qu'ils disaient. Ils ont dit que c'était pas le même disease. Bon. Quelle heure est-il? 12h44. OK, on fait une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon, on est revenu. OK, ça c'est fait. Bon, Mathieu a une autre question, mais je vais répondre en dernier, là, parce que là, tu as eu ton tour. J'ai acheté NWC 3430. Newark, NWC, c'est quoi déjà? Ah, The Northwest Company, à 3430. OK, dans le rebond un matin. You. C'est un drôle de... Ça ne doit pas être aujourd'hui. Ça peut quasiment pas... Ouais, ça serait juste à l'ouverture. En tout cas, je ne sais pas trop quand. C'est bizarre, son comportement. Là. Qu'est-ce qui passe avec ça, je ne sais pas. Il semble qu'il a ouvert là, puis que pouf, il a rechuté là. Sa résistance, il l'a traversé un peu. Son volume est super faible, 35 000. Yerk. Ton opinion sur ce titre, mon opinion, c'est yak. Je ne sais pas. Je n'ai pas grande opinion. Il n'y a pas grand-chose à analyser là-dedans, autre que, OK, il a traversé sa résistance ce matin, mais avec un volume de 35 000, techniquement parlant, c'est pas impossible. C'est pas une mauvaise compagnie, mais il y a une méchante grosse résistance qui date de 2020. Tester une, deux, trois, quatre, cinq fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'aurais pas acheté ça, là, parce que je voyais pas l'intérêt d'acheter ce stock-là, mais c'est un stock quasiment défensif. Je pense pas qu'il y a grand... C'est de la consommation de base, excusez-moi, OK? C'est de la consommation de base. Fait que c'est pas rien de grand risque, mais c'est rien de trop, trop intéressant non plus. Je pense pas que vous avez le risque de perdre beaucoup d'argent là-dedans, mais je pense pas que vous avez le potentiel d'en faire beaucoup non plus. En tout cas, si à un moment donné, il retourne à la hausse aux alentours des 34-30, tu sais, fait que même ici, ce serait une pièce. Donc ici, il ferait 3 %, 34-30, 34, 3-40, 34 plus 3 fait 36, fait qu'il y a 10 % à faire. S'il montait pendant plusieurs jours, il ferait 10 %. On a des stocks qui font ça dans une journée. Mais la tendance est quand même haussière, mais neutre en même temps. C'est très difficile à analyser un stock de même. Tu sais, des fois, je dis, dans les cours, on dit « analyser l'analysable ». Donc, quand on n'est pas capable de voir vraiment c'est quoi l'affaire, c'est quoi le potentiel, regarde, il y a autant de chances de se rendre là que de se rendre là, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas grand-chose, vous avouez, Céline. Alors ici, on a un cas rare, un cas rare. Je ne pourrais pas prononcer le nom, mais je vais vous le montrer, vous allez pouvoir le voir.
Bon, son logo, c'est K, mais le nom, c'est impossible de prononcer une affaire comme ça. Je ne sais même pas si c'est un vrai nom, puis je ne sais pas dans quelle langue ça peut être. Ça peut être un autochtone, un russe, un tchèque. Je sais pas, c'est une langue que je ne connais pas. Mais en plus, c'est un symbole non plus que je ne connais pas. Fait que je ne peux pas répondre à ça. VUM, j'ai checké dans ma machine, il n'y a rien. .NG, je comprends encore moins. Puis O, c'est quoi? Non, il n'y a rien qui fit dans votre affaire K. On va vous appeler K parce que c'est un K. Ah, bien, regarde, parce qu'on est en plein changement, puis on est en pleine COVID, puis qu'on est en pleine maladie de toutes affaires. J'ai des projets, mais regarde, mon personnel est débordé. J'ai remarqué que sur le site de Gourou, il n'y avait plus d'analyse selon les secteurs. Les événements aussi baissiers, les événements techniques. Il n'y a personne qui en parlait, puis il n'y a personne qui s'en servait. C'est pour ça que j'ai arrêté ça. Donc, le seul avantage de s'abonner à Gourou serait les émissions en vidéo. Ben, c'est déjà un bien gros avantage. Mais il y a tout ce qui est dans analyse et conseils. OK? Puis il y a toutes les listes qu'on vous procure. Puis ma nouvelle version, quand elle va sortir, où vous allez avoir toutes mes listes à moi qui vont toutes être classées dans l'ordre. Fait que je suis en pleine reconstruction de Gourou, mais à mon avis, ça vaut encore son pesant d'or. Personnellement, je ne transige plus le marché canadien. Je préfère le marché américain plus intéressant. Toi, Michel, sur quel marché tu préfères trader? Nasdaq. C'est pas compliqué. Moi, je ne joue que par le marché de Nasdaq aujourd'hui. Même que je dirais que la majorité des gens qui ont un portefeuille intense, soit peu intéressant, ça vaut la peine de transférer. On peut garder une portion de notre portefeuille au Canada, mais je trouve que c'est passer à côté d'une bonne occasion que de ne pas avoir le marché de Nasdaq. C'est là qu'il y a le plus de volume, c'est là qu'il y a le plus de mouvement, c'est là qu'il y a le plus de pourcentage à aller chercher. C'est tout le marché américain. Parce que quand tu mets un portefeuille... Puis tu sais, c'est pas comme avant. Il y a quelques années, tu faisais un trade dans le marché américain, il fallait que tu convertisses en américain, il fallait que tu reconvertisses. C'était impossible, tu ne pas faire d'argent là-dedans. Maintenant, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu prends ton portefeuille, et puis tu prends une portion de ton portefeuille, tu transfères ça dans un compte américain. Ouais, il va y avoir une portion, mais le jour où tu vas le retransférer en canadien, tu vas leur avoir de toute façon. Mais non, tu fais que tu as un portefeuille canadien, tu as un portefeuille américain. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est sûr que c'est le meilleur. C'est là que c'est plus facile, c'est là qu'il y a le plus de choix. Parce que la bourse de Toronto, ça s'en vient de plus en plus total. Les titres ont de moins en moins de volume. Le pourcentage de stocks intéressants à Toronto, c'est quoi? Il y a combien de titres intéressants à Toronto? Une centaine? Une couple de centaines? Mais sur Nasdaq, il y en a des milliers. Achat de QSR ce matin à 77,80. Bon, on a déjà parlé d'un QSR ce matin. C'est Wallid. À 77,80. Ah, OK. Ben vous êtes fait avoir un matin en achetant ça. Là. Il a décollé, je ne sais pas pourquoi. Ça ressemble à un résultat financier. Mais on est complètement sur un sommet. Sur le haut du couloir. Il fait juste se corriger depuis ce temps-là. Il était un temps, je vous aurais dit, c'était une bonne compagnie, ouais, parce qu'elle allait bien, QSR, Restaurant Brand. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là. Ils ont fait bien des affaires, mais pour l'instant, ils sont moins intéressants. Il n'y a même pas quoi. Il y a juste 209 000 de volume. C'est une compagnie qui peut faire 2 ou 3 millions de volume dans sa journée. Ça fait que c'était juste un drôle de point pour l'acheter. On va le regarder en quotidien, là. Vous l'avez payé, vous avez dit 77,80. Il était là 78 et à peu près 15. Ça fait que vous n'avez pas eu une grosse chance. 77,80, au moins, vous l'avez pogné pendant qu'il montait. Excepté qu'ici, il y avait un signal de vente au prix payé. Puis après ça, il a continué à la baisse. Puis là, bien,
si on l'a laissé aller après, c'est là que ça devient difficile de prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas le genre de compagnie que vous allez manger vos bas, là. C'est quand même, c'est restaurant brand. Vous l'avez pogné dans un... dans une trappe, là. Vous êtes fait prendre dans cette position-là. Mais c'est pas comme une petite minière qu'on connaît pas, qu'on garde, mais qu'on va tout perdre notre argent là-dedans. C'est certain que c'est pas celle-là qui va vous amener en faillite, là. Un petit instant. Mais pour le moment, quand je regarde... Excusez. Excusez-moi, je me suis étouffé bien raide. Ça m'a comme gratté dans la gorge, puis j'en pleure. Justin qui m'écoute en direct à côté de moi, il dit lâche pas. Il était me chercher un petit yogourt. On dirait que j'ai avalé ma saline par le mauvais trou. Oh boy! Bon, ok, à survivre. Je vais survivre. Donc, je disais que QSA a quand même un peu de chance de se corriger là, sur le court terme. Mais je pense pas que c'était pas un achat en day trading, c'était un achat en swing. Fait que je pense que je devrais être patient un petit peu. Bonjour Michel, question bizarre. Pas obligé de répondre. Mais mon enfant de 11 ans veut investir 1 000$ en bourse sur un minimum de 10 ans. C'est déjà bon s'il y a 1 000$ à investir en 11 ans. J'hésite entre les banques, énergie ou les véhicules électriques, je suppose. Quel secteur me conseillez-vous selon votre expérience? Bon, premièrement, il va falloir qu'il rouvre un compte pour mettre son 1 000$ dedans. Un bordel sur 10 ans. Sur 10 ans. Tu sais, ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10. Colin, ça peut être n'importe quoi, tu sais. C'est sûr que si tu achètes 1 000$ de Google, ça t'en fera pas gros des actions. Pas obligé de répondre, mais je sais pas vraiment quoi répondre à ça. Votre choix sera aussi bon que le mien, parce que une prédiction disant, bon, c'est faire quelque chose qui chutera pas qui peut juste s'améliorer avec le temps. Ça pourrait être
une des bonnes compagnies de véhicules électriques. Il me semble qu'il y a de l'avenir là-dedans. Mais à court terme, peut-être pas. Mais pour les prochaines années, oui. Mais c'est une question vraiment difficile à répondre. Tu n'as pas le droit de répondre. C'est quoi l'affaire? Tu n'as pas le droit de répondre. Comment ça? C'est Walid qui va faire ça pour son fils. C'est pas son fils qui va le faire. C'est un conseiller financier. Ben, voyons donc, Gérard. J'ai pas le droit de répondre. Tu t'en vas avec tes skis, Gérard. Je t'aime bien, là. OK? Mais c'est pas vrai ce que tu dis là. On me pose une question. C'est public. C'est une émission publique. Puis j'ai le droit de répondre ce que je veux dans une émission publique. OK? C'est pas vrai ce que tu dis là. C'est totalement faux que j'ai pas le droit de répondre à ça. C'est totalement faux. Parce que la règle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi si tu le fais publiquement. Ça n'a pas rapport avec l'analyse technique. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est du... Non, il n'y a pas d'affaire légalement. Gérard, lâche mon téléphone, là. Lâche mon téléphone. Tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas vrai que légalement, j'ai pas le droit. Légalement, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Tu peux te faire accuser de diffamation quand tu dis des choses en public, mais non. La seule chose que j'ai pas le droit de faire, là, c'est de prendre un gars en privé avec son petit satchel, là, puis lui donner des conseils privés ou de gérer son argent en privé. Ça, j'ai pas le droit de faire ça. Mais publiquement, au client, j'ai le droit absolument de faire ce que je voudrais. Mais ma réponse, c'est que j'ai dit, ton choix, il va être aussi bon que le mien. Ça fait que, donc, je n'ai pas donné de réponse première. Fait que, mais là, s'il vous plaît. Faut tenir compte aussi que toutes les compagnies de pétrole dans le monde ont arrêté de faire de nouvelles explorations. Donc, l'offre et la demande vont s'appliquer comme dans tous les domaines. Bien, ils ont arrêté de faire de l'exploitation. Oui et non, là. Ils n'ont pas tout arrêté, mais à bien des places, c'est arrêté. En tout cas, en Alberta, il ne se passe plus rien. Moins d'offres vont maintenir le prix USO encore pour plusieurs années. Oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas augmenter la production. Ils l'ont, le pétrole, ils l'ont en masse, le pétrole. Ils ne veulent pas l'augmenter. C'est justement pour faire monter, exprès, faire monter le prix du pétrole pour qu'ils fassent plus d'argent avec leur pétrole. De toute façon, je ne crois pas que la voiture électrique va remplacer la voiture à essence de sitôt. Bien là, c'est déjà commencé. Là. Si vous ne comprenez pas ça, là, vous avez un problème. Là, parce que, regarde, les autos électriques sont en demande. Là. Toutes les compagnies qui vendent des autos électriques, ça prend 6 mois pour en avoir une. Vous ne savez même pas le prix que vous allez payer. Le gouvernement en parle parce que ça paraît bien d'en parler. On en reparlera dans 10 ans. Hey, mais gars, c'est une escalade, là. La plupart des compagnies d'auto électriques sont en production d'auto électriques présentement. Premièrement, tous les grands, puis je les annonce à la TV en plus, là, tous les grands producteurs d'automobiles à combustion, qu'on parle de GM, Ford, Volvo, name it, là, toutes les Toyota, n'importe quelle compagnie, tous les grands producteurs automobiles ont, dans le moment, des autos électriques en production. Fait que, puis ils vont les avoir dans les showrooms aussi, là. Ça fait que, puis là, on vient additionner à ça, toutes les, en plus de Tesla, on vient additionner toutes les autres compagnies. Non, regarde. Il y a des centaines de milliers de véhicules électriques en production présentement. Là, regarde, ça va marcher. Parce que, veut pas, sur le long run, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils sont trop chers, premièrement. OK? Puis, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes encore. Fait que ça fonctionne parfaitement pour tous ceux qui sont en ville ou encore là. Mais il ne faut pas que tu y ailles trop loin. C'est sûr que, comme le président de Nouveau Monde, sa mine est à Saint-Michel-des-Saints. On est allé avec lui voir sa mine dans sa Tesla X. Bien, il n'y a pas de problème, parce que la Tesla, tu charges à Montréal, puis tu peux faire aller-retour avec 5 adultes dedans, là, puis se promener toute la journée. Puis il n'y a pas manqué de courant. Puis en plus de ça, il y en avait des bornes à Saint-Michel-des-Saints. C'est juste que si tu pars à la pêche
dans sur le chemin de Matagami en direction de Radisson, là, tu vas avoir des problèmes. Mais pour les citadins, pour les gens qui font du Montréal-Québec ou Montréal-Toronto, il n'y a pas de problème avec les autos électriques. Là, non, là, ça va vraiment, vraiment, vraiment pousser rapidement. Surtout lorsque le prix va baisser. Parce que, regarde, ça marche, là, électrique, là. C'est beaucoup moins compliqué. Moi, ce que je me demande, c'est qu'ils vont-tu avoir des standards, tu sais, que, regarde, maintenant, là, dans une auto à combustion, mais si ta batterie est brisée, là, n'importe où t'es, là, ben, t'arrêtes dans un Canadian Tire, puis tu t'achètes une batterie. Ouais, mais les batteries des autos électriques, ils vont-tu avoir toutes les mêmes batteries? Il y a plein de monde qui fabrique des batteries, tout le monde fabrique sa batterie. C'est un petit peu ça que je trouve qui ne va pas dans les autos électriques, c'est que ils ne semblent pas établir de standard qui fait que, bon, ben, même si ta batterie, quand n'importe quelle auto à combustion, quand elle brise, là, tu peux aller la faire réparer dans à peu près n'importe quel garage. Est-ce que ça va être comme ça pour les autos électriques? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Point d'entrée MFC. bof! Les produits, les services financiers sont au top, là. Puis pas nécessairement les compagnies d'assurance, par contre, parce que les autres ont eu un peu plus de misère. Puis, mais tu sais, quel est le potentiel? Bah, ça paye probablement des dividendes, ça. Fait qu'il n'y a probablement pas grand risque. Mais de là à établir un point d'entrée sur MFC, ben, regarde, il y a du prix actuel 24 et 28, puis sa résistance est à 25,5. Donc, pour une pièce, ça fait que c'est pas dans le trading, c'est du long terme. Moi, à mon avis, vous pouvez bien l'acheter n'importe où, ça ne changera rien. Parce que moi, je m'aperçois que vous parlez de ça en swing, il y a juste 2 piastres de potentiel pour aller à sa résistance. Donc, c'est un swing, mais c'est plus du long terme, après ce que je peux voir. Puis je me dirais, n'importe quel prix serait un bon prix. Alors finalement, mon petit Hugo, il m'a arrangé mon problème. C'est juste quand ça gratte, là. Ouais, puis en plus, c'est tôt dans votre radar. On ne l'avait pas, lui. On l'a quelque part. Peut-être qu'il était hier. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est hier qu'on l'avait parce qu'il avait fait quelque chose. Puis là, j'ai pas eu le temps, l'occasion de le retrouver encore. Il est rendu 1h08. Bon, mais gars, il a pas mal fini sa ride aujourd'hui. Là, il a inversé sa tendance. Il est rendu dans une tendance baissière. Peut-être qu'en après-midi, il y aura d'autres mouvements. Mais pour l'instant, là, c'est les prises de profit là, de tout le monde qui a acheté à partir d'ici, là, tous ces volumes-là. Là. Fait que, regarde, ils ont déjà revendu. Fait qu'on est presque rendu au support. Ça fait qu'on a une tendance neutre. Il y a quand même 10 % pour aller jusqu'à son top, là. Mais c'est juste une game de day trading, là, parce qu'en quotidien, regarde, c'est pas mal son habitude de faire des jumps puis de retomber après. Ça fait que je me risquerais pas, en tout cas, en swing trading là-dessus. Non, ben Lolo, là, regarde, des fois, vous sortez de vos bottes, là, mais regarde, ça vous tentait d'écrire quelque chose, là, mais je trouve même pas ça intéressant, là, de passer votre commentaire, là. Le portefeuille américain dans lequel vous tradez, est-il en cash ou en REER, et qu'est-ce qui est mieux? Bien, c'est toujours mieux dans un REER, parce qu'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'impôt à faire, c'est bien, bien plus simple. Quand c'est possible, BFRI sur Nasdaq. Moi, je suis fatigué, là. je suis rendu, ça fait 1h30 de show, là.
Puis il faut que j'arrête. Là, les questions, ça rentre à tonnes. Là, j'en ai deux pages de questions encore. Hey. Non, mais juste Mathieu, là, regarde. Mathieu, 1, 2, 3, 4, 5. Mathieu, juste dans le reste des questions qui aimeraient sa réponse, Mathieu, vous avez 5 questions. Puis j'ai répondu au moins à 5 questions. Vous ne pouvez pas me poser 10 questions par jour, là. Il faut laisser de la place à tout le monde, là. Je ne vous réponds plus, là. Vous n'avez eu assez pour aujourd'hui. Le feu de l'action, Guru, Traders Plus, Market Vision, dans leur forme actuelle, sont amplement suffisants pour faire des dollars. On peut s'attendre on peut attendre pour les améliorations. Prenez votre temps. Oui, mais regarde, mon chef programmeur, sa mère est en fin de vie, là, fait que c'est difficile d'y mettre de la pression, là. Est-ce que vos listes que vous créez sur Traders Plus, vos tableaux sont reçus automatiquement dessus sur la prochaine version, car ce sera le car je sais que ce sera le cas de Market Vision. Non, ça c'est une autre affaire. C'est complètement différent. Complètement différent. Mais quand on les liste de ton market, quand tes tableaux sont faits dans ton Traders Plus, puis si ça change à un moment donné dans les listes de Market Vision, ben tu switches ton Traders Plus à côté, puis tu t'en vas dans ta liste de Market Vision, puis tu changes l'ordre de tes graphiques, tu faisais un tout, les draguer, ça va aller assez vite. Mais là, on n'est pas rendu là. Un jour à la fois. BCE, point d'entrée. Ah, tiens, c'est Mathieu encore. Ah, Mathieu, là, regarde, vous êtes en train de passer tout le dictionnaire, là. Regarde, j'ai cliqué dessus, je vais répondre. Il n'y a rien à faire avec BCE. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? On est sur un top, là. Regarde, non, mais... Écoute, regarde, je ne pourrais pas vous répondre, là, je vais les effacer vos questions, là, parce que là, c'est trop, là. Trop, c'est comme passé, là, OK? Regarde, il faut donner la chance aux autres un peu, là. OK, ça, c'est répondu. Le Dow fait-il un double sommet? Acheté à 3,43, est-ce le temps de vendre? Acheter le Dow? Ben oui, regarde, on est sur un sommet, À mon avis, on s'en va en correction pour les prochains jours. On n'a pas le choix, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait faire monter le marché encore plus que ça. Bon, OK. Youpi, c'est l'heure du dîner. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai faim, vous allez manger. Là, je suis vraiment fatigué, là. Ça fait que je pense qu'on a fait toute la job qu'on pouvait aujourd'hui. Je vais juste regarder mon tableau de mélanger avant de partir. Qu'est-ce qui est là? Voir si ça a bougé. Non, ça ne bouge pas trop. Fait que je vous laisse là-dessus. Regarde, je vais revenir vers 14h15 à peu près. Là, parce que je vais me donner un petit peu de temps. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, de toute façon, vous pouvez venir sur Guru.tv. C'est grand débrouillage le mercredi. Fait que, mais il faut rentrer par Guru pour voir les émissions dans l'après-midi. Sur ce, ben, passez une excellente journée. Merci d'avoir été là.